La vente de Bourjois n'est pas un virage stratégique pour Chanel. Chanel a toujours été un des grands acteurs du luxe, connu et reconnu quasiment exclusivement pour ses marques de luxe. Bourjois est un actif qui est considéré plus stratégique dans le portefeuille de Chanel, sans avoir une contribution importante à son chiffre d'affaires ni à sa rentabilité. Bien sûr, c'est une marque emblématique de la famille, puisque c'est la première marque que la famille a acquise dans le grand secteur du luxe au sens large aujourd'hui, mais n'avait absolument aucune raison d'être dans sa stratégie de luxe. Donc, c'est pas un virage, c'est une décision, un arbitrage stratégique aujourd'hui qui a fait que cette cession est intervenue alors que la marque ne contribue pas réellement au développement de Chanel. Le duo entre Coty et Bourjois me semble logique parce que Bourjois rentre parfaitement dans le segment des marques que Coty développe, des marques du segment mastige, donc plus grand public, contrairement à ce que Chanel faisait jusqu'à maintenant, ou en tout cas le positionnement de Chanel. Donc chez Coty, Bourjois apporte une complémentarité en termes de cosmétiques après les acquisitions de OPI, de Astor ou de Rimmel, qui sont d'autres marques récemment acquises par Coty, contribue en plus à l'un des segments dans lequel Coty était moins représenté, qui est le rouge à lèvres, et puis va renforcer le positionnement de Coty en Europe, parce que Bourjois a une position forte en Europe et en France. L'intérêt de Coty pour Bourjois, c'est d'une part l'Europe, mais c'est d'autre part les autres régions où Bourjois est présent, comme le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, avec des relais de croissance plus importants sur ces régions, qui ont une croissance beaucoup plus forte que l'Europe, où les produits cosmétiques croient d'à peu près 1% par an en ce moment.